Enfin, ça dépend. Si RQ, il a sa barre de vie divisée par deux ou pas, mais. C'est mode qui a pas dans ses KO. Non, il a pas l'air d'avoir barre de vie. Bon, par contre, faut que je fasse attention. Bon, voilà, c'est fou, c'était. Oh, ok. Oh purée, mais il fait trop mal! Mais non, mais regardez-moi ça, Mickey, il fait trop mal! C'est juste de laisser Mickey faire tout le travail en fait, c'est ça. Remarquez, il a des objets lui, c'est bon, c'est pas comme si ça me... C'est pas comme s'ils allaient me servir à quelque chose ces objets. Mais Mickey quoi, incroyable. Non, tu soignes pas Mickey quoi, pas sympa. Si jamais quoi, elle attaque, elle honnêtement. Tout pour mourir. Ah oui, d'accord, Mickey. Bah oui, vous êtes comme ça, monsieur Mickey. C'est gentil. J'ai tout vu, Mickey. J'ai tout vu. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Il a l'air d'avoir deuxième ch dernière chance quand même, alors c'est cool pour lui. Ah, franchement, hein, c'est ça que tu appelles le pouvoir de contrôler les ténèbres, machin. Mais il fait rien comme dégâts, c'est incroyable. On peut mourir, allez, on y va à fond. Non mais je fais rien comme dommage, c'est Mickey qui fait tout quoi. Mais c'est Mickey qui fait tout. Il est aussi cheaté dans la maison de Mickey quand même. Ah mais non, mais là. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Waouh, je suis impressionné. D'ailleurs, KH3 n'est-il pas l'opus avec le plus de cinématiques? Je dois avouer que. Il y a quand même pas mal de cinématiques quand même. Bah, je pense que ouais, hein, ça doit être celui qui a le plus de cinématiques. Enfin, les cinématiques les plus longues, parce que par rapport au temps de jeu, parce que voilà. Trop bien. On peut faire pop, je sais plus qui. Je sais plus qui c'était le premier. Ah, c'est Miaou, waouh, bah oui! Waouh! Miaou! Comment j'ai osé oublier mon partenaire, mon fidèle partenaire, le meilleur? De tous les partenaires. Il y a 10 heures de cinématique, je crois. Truc du genre 10 heures. Heures de cinématique, ça veut dire que sur notre let's play, il y en a 20 parties qui sont. Il y a 20 parties qui sont concernées, qui ne concernent que des cinématiques. Oh, c'est vrai, du coup, il y a le truc du Gumi. Il va y avoir des boss avec le Gumi, là. Je vais me faire dégommer avec aussi, je pense. Je crois que le Gumi, il a aussi moins de points de vie, parce que... Attendez, faut pas rigoler non plus. Coucou la cutscene de Xemnas qui fait que descendre des escaliers. Et puis oui, non mais c'est vrai qu'ils ont mis ça en fait dans le jeu. J'avais oublié. Les sphères de trésor. On va pas aller chercher. On va quand même des petits trucs comme ça, parce que ça me donnera des trucs sympas. Ouais, des blocs biscuits. Très bien.
Tremors 2 à environ 12 ou 13 heures de cinématique. Le truc aussi, c'est que le mode... C'est que Kingdom Hearts 2 est beaucoup plus long que Kingdom Hearts 3. Alors du coup, sur le rapport, Kingdom Hearts 3 a plus de cinématiques que Kingdom Hearts 2, en fait, je pense, quand même. Bon, en admettant que Kingdom Hearts 3 a que 10 heures, je sais pas, puisque j'ai pas non plus été compté, mais... Ils auraient dû se procurer un ascenseur. Franchement. Mais le pire, c'est qu'ils en ont un. Actuellement, on dit ça, mais ils en ont un. Ils en ont un. Ils l'ont juste pas mis ici, c'est tout. Ou alors, ils s'amusaient à le faire à pied, parce que c'est pour faire ses muscles. Après, voilà. Oh purée, ah oui non mais ça je me souviens, oui. Ah oui non, par contre voilà, hein. Kingdom Hearts 2, mode critique, je me souviens du début du jeu, le début du jeu c'est « Bonjour, Roxas ne fait que mourir à cause de eux », c'était ça, hein. c'est ça, voilà, voilà, exactement, voilà, bien sûr, bonjour, salut, ça fait plaisir de vous revoir, moi aussi je suis content de vous revoir, franchement, merci pour les abricots, Donald, il est mort, ok. Oh non, ils sont là. Plus j'ai pas rééquipé de game donc. Allez, Donald. 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 Non, Donald. Non, Donald. Allez, on va utiliser ce qui nous reste. Allez, on est des fous. Donald il gagne des niveaux alors qu'il fait rien. Oh. Une partie, j'ai gardé le vaisseau Vanilla tout le long du jeu, c'est là que je me faisais un petit HM d'accès. Acheter des vaisseaux et te balader dans l'espace. Bon après oui je sais hein, de toute façon que c'est largement faisable de le faire avec le même. Hein. Ce qui est bien quand même d'acheter un nouveau vaisseau, c'est que ça te permet d'aller un peu plus vite parce que... Ça fait trop mal, mec. Il aurait été interdit de faire autant mal. Oh, il l'a fait! C'est incroyable! Il l'a fait! Coucou Minuit, toi aussi tu l'as fait. Ok, la caméra, elle fait ce qu'elle veut. Oh non, Minuit, faut pas partir. Ironiquement, les supérieurs font moins mal. Hein. Les snipers, ils font moins mal. Genre. Ah, ils m'ont tué, dommage, j'aurais dû utiliser un kilon, j'ai hésité. Bonne chance, merci, à bientôt Prism. C'est pas grave, on a Super Minuit qui va nous encourager, un Super Minuit. Les supérieurs, bah, ils sont censés être plus forts, les reflets c'est censé être ceux de base. Enfin les reflets c'est eux quoi. Les blancs là, les nuls, ceux qui tuent en un coup. Allez, on va faire le patou piat, bon ils m'ont touché, hein, bon. Je sais pas pourquoi ils ont été sympas, ils m'ont donné direct le bateau pirate là, genre, hey, bon.
Du coup, c'est dur le mode, c'est que de la critique. Au début du jeu, oui. Ça devrait aller mieux après. Oh, allez, on va faire un petit coup de miaou waou. Allez, on est des fous. Qu'est-ce que je fais là? Ça, ça sert à rien. Ah oui, on peut grossir miaou waou. Mais ça c'est bien. Hey, miaou waou. Ouais, ça c'est bien en fait pour tuer les mobs qui servent à rien là. Bon, par contre, ils me font des dégâts et ça c'est pas très gentil en fait. Ils vont me tuer, ça va être génial. Mais vous êtes sérieux? Vous l'avez vu là, il était en train de danser tout autour de moi, genre en mode hey, t'inquiète, tu crois que tu vas gagner? Non, 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 jamais de la vie tu vas gagner. Putain, ils sont pleins. Ah, ils sont pleins. Le gars, c'était un taunter ultime, quoi. Oh, Donald, il est mort. Allez, on va retenter. Allez, moi je suis un fou, je veux retenter le miaou waou. Je suis rien moyen de faire des trucs bien avec. Franchement, ça les tue vite, quoi. Il faut juste que j'ai de la chance et qu'à la fin, ils fassent pas la danse tout autour de moi. Ça a dégonflé mon miaou waou. C'est bon. Je n'ai pas réussi à garder ça. Ah, purée. Il attaque Donald, mais c'est moi qui prends. Et comment le mode critical? Il est dur quand on doit affronter des reflets. Pourquoi Twitch Prime me propose de poursuivre mon abonnement alors que je peux sub tous les mois? Twitch, il fait des bêtises. Je vais faire double abonnement. Non, je rigole. Je ne pouvais pas, mais je ne pense pas. Bon, sérieusement. C'était un petit peu plus jouable dans... Bon. J'allais dire, c'était un petit peu plus jouable dans Kingdom Hearts 2 parce qu'ils n'étaient pas à 36 millions en même temps. Ah bah finalement, j'ai rien dit, les snipers, quand ils veulent, ils peuvent. C'est quoi le jeu? C'est écrit en bas, dans la liste, dans le nom de machin joue à, Ocarina joue à, et c'est écrit, c'est quoi le jeu? Ils sont pas gentils ces mobs, non mais les 6 midi c'est les pires. Honnêtement les 6 midi c'était les pires dans Kingdom Hearts 2. C'était le genre, tout le jeu c'était bien, genre t'étais content, et puis ensuite tu devais affronter des 6 midi et là c'était bon. Tu disais c'est bon, j'en ai marre de jeu. Bah d'ailleurs ça marche aussi avec les 6 midi humains, hein, d'ailleurs. Ça ne s'applique pas que aux 6 midi, qu'aux mobs. Ah mais ils redonnent des points de vie en fait, les trucs j'ai l'impression. Les invocations, parce que je me suis fait toucher avant de me lancer. Franchement, mais waouh, il fait bien le ménage quand même. Il fait bien le ménage. Toi, allez, viens. On se bat. Toi, t'es tout seul. Ok, Sora, attaque pas le pilier, il y est pour rien dans l'histoire.
Oh, bah d'ailleurs, oui, c'est vrai. On a... J'arrive pas à les garder à chaque fois parce que. Toujours. Allez! C'est parce que je suis en train d'attaquer encore là. Ils sont en train de dormir les deux. Non, vous m'aurez pas. Je suis un fou. Ah, c'est bon, je peux faire miaou waou. Allez, on fait miaou waou. Tellement les pires, les machins. Regardez, ils m'ont fait des dommages hein, quand même, pendant que j'étais en train de faire des coups sur eux. Je les déteste, les reflets. Je sais pas si c'est random, du coup. Ok, ils sont morts. Bien sûr, miaou waou, c'est le meilleur. Je pense que la compétence dernière chance va être bénéfique. Oui, non, mais la compétence dernière chance et Pétale Garde, c'est les meilleurs. Mince. Ah oui, c'est vrai, un boss juste après. Arrêtez de venir. Je me disais, on est. Alors, qui pour mourir, moi? Peut-être que Donald, non, Donald, il n'a plus de magie. Il n'a plus de magie. Purée, il a plein de points de vie, du coup, ce boss. Ton mob préféré, mais oui, bien sûr. Évidemment. J'adore ce boss. C'est mon préféré. Non, mais... Non, mais j'ai rien à dire à propos de ce boss, en fait. Ben, je le connais pas trop, en fait. On l'a affronté que deux fois, et encore. En fait, je crois que je l'ai jamais affronté, techniquement, en fait. Non? Ah si, bah si. Si, si, c'est bon, je veux dire, je l'ai jamais affronté. Mais en fait, si, si. Je ne fais rien comme dommage, mais vous êtes sérieux là? Donald, Donald, le soin! Donald, le soin! Merci! Bah c'est bon, j'ai une dernière chance, je suis raconté. J'aurais dû en fait invoquer miaou waou, puisqu'il me soigne. Genre, quel est ton mob préféré? C'était une vraie question en fait. Ah! Oh, il y en a plein, honnêtement, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Les Nessions, ils sont cool. Oh, les sans coeur, les nouveaux sans coeur, ils sont vraiment cool aussi. Ouais, je dois avouer que les Sibili, c'est pas mes favoris, effectivement. Oh, mais Donald, lui, il fait trop de dommages par rapport à moi. Si j'arrive à le garder, il me fonce dessus. Non, il me fonce pas dessus. Ah bah oui, mais j'ai utilisé de la magie, du coup je peux plus faire mes waouh. Donald, il a tout utilisé. Tous ces points de vie qu'il a. Mais sinon, ouais, bah au niveau des mobs préférés, je sais pas. Les deux mobs auxquels j'ai pensé en pensant à un mob préféré, j'ai pensé au 5 heures madame et au dragon de glace. Bon, on va pas compter sur Donald. On va compter sur miaou waou.
peux le contrer en tout cas. Oui, ah bah et voilà, là vous me la donnez la forme rage maintenant alors. Pilote Team Swine là, c'est... N'importe quoi Donald, t'as rien compris. Hein. Il fait rien. Il est en train de me dire littéralement frappe-moi s'il te plaît. Ah ça y est, faire des trucs. Oh il est où? Ah ok, c'est, je vise pas le boss en fait. Ça, il va attaquer. Ah c'est bon, on l'a battu. Ce mal sera à la forme rage vu que je le soigne. Il s'est transformé. Il n'y a plus de points de vie. Il a récupéré tous ses points de vie, c'est bon. Ah mais c'est bon, c'est bon. En fait, il fallait attendre d'avoir... Je vais y arriver, hein, je vous assure. You see any lucky emblems? Let's see. Oui, hein? Je suis censé dire quelque chose là, attendez. Ah oui, c'est bon, on a le vrai Kingdom Hearts, ouais, c'est ça que je voulais dire. Quoi, on a attendu tout ça pour ça, juste une phrase. Hey, let's see. Attendez, laissez-moi monter. Let's see. Oh mon dieu. Bien cadré. Bon. Yes, it's a silent film, but the music sure is pretty. Faut qu'on le voit pas encore. Hein. Je sais pas pourquoi, mais moi il aime bien se balader sous la map pendant un bon moment. Bah, moi je me souviens hein, de la deuxième fois où on l'affronte là, il s'était bien amusé à se balader en dehors de la map aussi. Ah trop bien, on voit Sora dans le... On est en train de gâcher le film de tout le monde. Ouais, je vois pas pourquoi je suis en train de le gâcher, hein. C'est moi qui suis sur le film là. Let's see. The End. Je crois que le film, c'est énorme. Yes. Franchement, vous pouvez pas dire ça. Alors que Sora, il est super content. Partout. Let's see. So we have to go that way. Ça t'empêche tout le monde de voir, mais c'est pas grave, ils font que le repasser de toute façon, le film, tout le monde l'a vu au moins 20-30 fois. C'est tout le temps les mêmes qui traînent, même dans le cinéma.
Merci Keita et Ayano pour l'abonnement. D'accord, mais pourquoi veux-tu faire fuser Atomium? Pourquoi je retourne en arrière? Wow, non mais t'es sérieux Donald là? D'ailleurs, si vous voulez savoir, vous pouvez effectivement vous abonner gratuitement si vous avez un compte. Si vous avez un compte Amazon Premium, vous pouvez avoir un... Tu as vu le film de Broly du coup? Vous pouvez vous abonner. Arrête de dire des trucs en même temps que tu parles. Ça serait bien. Désolé. Vous pouvez vous abonner gratuitement si vous avez un compte Amazon Premium à une chaîne Twitch. Donc voilà. Voilà, exactement, yes. Et oui, j'ai vu le film Broly, je vous le recommande énormément d'ailleurs ce film, parce que j'ai vraiment passé un très bon moment sur le film de Broly. Il est mort, Donald. Franchement, ouais, le film de Broly. Mais waouh! Ah, il donne pas tous les points de vie en fait. Mais je suis bête, j'ai soin. Oh, c'est pas grave. Mais waouh! Ton préféré des 4 qui sont centrés sur Broly? Oui, quand même, honnêtement. Bah, après, les premiers films. Le premier film, il est plutôt sympa. Quand même. Mais c'est vrai que le deuxième est assez bizarre. Enfin, j'ai toujours trouvé le deuxième assez bizarre, mais oh, le troisième, je dois avouer que je me souviens même plus, tu vois, tellement le troisième film m'a pas marqué. Celui avec Bio Broly donc. Mais franchement, ouais, c'est quand même mon favori de tous les films avec Broly dedans. Ils ont vraiment fait des trucs vraiment sympas. Ils ont vraiment fait des trucs sympas avec ce Broly. Ils ont fait exactement en fait ce que je voulais d'ailleurs pour Broly. C'est-à-dire que il, entre guillemets, change sa personnalité. Donc bon, c'est vrai que si vous avez pas vu le film, j'ai essayé de pas trop spoiler. Donc, bon, le film est pas sorti depuis si longtemps et en plus, ben, je crois qu'il est même plus disponible maintenant au cinéma. Donc, je crois qu'il est même pas disponible tout court en fait. Je crois qu'on peut plus le voir, on peut pas le voir. De manière générale, le film, bon, sûr que... Bon, après, voilà, hein, si jamais vous voulez découvrir le film, voilà, bouchez-vous les oreilles quelques instants. Ouais, je voulais, honnêtement, qu'il change, entre guillemets, un peu la personnalité de Broly. Enfin, c'est pas difficile de changer la personnalité de Broly quand il y en a pas, normalement. Mais, franchement, c'est vraiment le... C'est vraiment sa nouvelle personnalité, avec des grosses guillemets pour nouvelle, qui me plaît vraiment dans le film. Et... Ah, mais en fait, il reste encore des ennemis. Et du coup... Tu l'as vu au cinéma du coup? Non, je ne l'ai pas vu au cinéma. Et du coup, bah pour le coup... Et puis bah franchement le film était vraiment cool, j'ai vraiment aimé tout le côté scénario. Même le pré-scénario, réécrire le début de Dragon Ball, parce que bon voilà, il y a le début de Dragon Ball qui est réécrit si je puis dire dans Dragon Ball Super. Enfin, même pas le début de Dragon Ball, mais le début de Son Goku, voilà. Et ce qui est plutôt cool, le scénario était sympa aussi à suivre. Et le combat était cool. J'ai vu qu'on me posait la question qui je préfère entre Gogeta et Vegeto. Je pense que je préfère quand même Vegeto parce que les habits métamol c'est pas trop mon délire, je le dois avouer. Oh, j'ai vu, ah, vous êtes au taquet là quand même pour me dire qu'il y a des Lucky Emblems, vous êtes cool. Du coup, ok, il faut juste aller là. Bref, voilà, c'est bon, c'est fini. Petit côté spoil pour Broly, mais
Mais voilà. Mais globalement, j'ai vu que la plupart des gens étaient tous contents du film, donc c'est cool aussi, pour le coup. Pour une fois que les gens sont pas tous en train de râler en mode ah là là, j'ai pas aimé parce que blablabla. Même là, il y avait aussi des utilisations un peu de 3D dans Dragon Ball Super, le film de Broly. Alors, ça pêche un peu au niveau du framerate, mais c'était quand même sympa. C'était quand même sympa. C'était pas si désagréable aussi. J'ai cassé le chat avec Broly. C'est normal, Broly il casse tout. Bref, maintenant nous allons pouvoir retourner en ville. Je suis sûr qu'à un moment je vais jouer. Là dans Kingdom Hearts 3, vu que je passe toutes les cinématiques, hein, ok. Je vais oublier ce que je dois faire. Bon, allez. Ah d'ailleurs, ça lance pas la musique. Trop important là, ce passage. Il n'y a pas de musique, non mais ouf. Enfin, je vais oublier ce que je dois faire, je veux dire par là, je vais oublier où je suis censé aller. Bonne nuit. Ah, ces cartes sont pas sympas là, non. Il y a vraiment pas beaucoup de place pour se battre qui. Oh, il m'a tué. J'adore les cryptozombres. Bah, les cryptozombres, globalement, je trouve pas qu'elles sont si pénibles de manière générale. Ça va. De toute façon, ils ont mis les reflets, donc bon. Trop dur, le jeu. Trop dur ce niveau. Comment vas-tu? Je vais bien, Jojo Azur. J'espère que toi aussi. Deux fois. Y en a un qui va me donner une attraction. Bon bah c'est pas grave, ils vont pas donner une attraction, ils m'ont donné mieux. Bon bah finalement j'ai eu quand même eu l'attraction. Oh, ils ont tué la forme rage, impossible. Incroyable, c'est vraiment le boss final. En fait, c'est une partie Miaou Waou et chaîne royale. Oui, je chasse Seigneur Atalos. Ah, Seigneur Atalos, rien que ça. Le Lord Atalos. L'Empereur Atalos après. C'est bien, hein, le combat, il va durer longtemps, je pense. Hein. De toute façon, tous les combats où il y a des reflets dedans, ça va durer longtemps. Allez. On envoie des petits cœurs, c'est très mignon. Ah, ils sont presque morts. Il en reste deux. Oh là, non, mais les machins, ils font rien. C'est
C'est incroyable. Le membre d'Organisation Strix que tu aimes le moins? Je pense que c'est Demix. Je pense que c'est Demix. Mais c'est entre guillemets par défaut, quoi, en fait. Parce que c'est celui qu'on connaît le moins, en fin de compte. C'est celui qu'on connaît le moins. Enfin, je sais qu'on n'arrête pas de me dire eh, dans le manga. Bon, j'ai pas vu le manga pour l'instant, donc je ne sais pas. Mais je pense que c'est Demix, parce que ouais, enfin, vraiment celui qu'on connaît le moins, et que du coup, j'ai pas vraiment d'attache personnelle pour lui. Que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs, en plus, parce que. Enfin, dans le sens sentiment négatif vis-à-vis de, par exemple, on pourrait dire l'Arxen, elle est pénible dans Kingdom Hearts 2. Alors que Demix, y a rien quoi, Demix, y a rien. Mais Luxord, je sais pas, je l'imagine toujours avec un petit côté rigolo, alors du coup, Luxord, en fin de compte, j'ai. Même si on le connaît pas, je pense qu'en fin de compte, il est encore plus anecdotique que Demix, mais dans ma tête, il est pas si terrible. Du coup, voilà, pour moi, Luxord, c'est le maître des blagues, et c'est tout. Voilà. Du coup, je peux pas dire, ouais, Luxord, il est nul. Est-ce que pour répondre à la question Dragon Ball, est-ce que tu comptes jouer sur Twitch Dragon Ball Heroes, voire le futur Project Z? Bah, j'aimerais bien jouer déjà à Xenoverse. Donc voilà, il y a déjà un peu de ça. Le projet, effectivement, Z, je l'attends vraiment avec impatience parce que j'ai vraiment adoré Legacy of Goku 2, enfin l'héritage de Goku 2 et la Furie debout. C'était deux action RPG qui étaient sur. Était sur Game Boy Advance. J'espère vraiment vous le faire en stream un jour parce que c'est vraiment des jeux qui me sont assez chers quand même en fin de compte. En plus, c'est des jeux console portable, c'est incroyable, j'aime bien des jeux console portable, ça arrive des fois. Voilà. Alors, projet. Après Dragon Ball Heroes, j'aime vraiment bien le concept. Sauf que j'ai pas terminé celui que j'avais sur 3DS. Alors, je sais pas si je jouerai à Dragon Ball Heroes. En stream en plus, je sais pas. Ça peut être un moment rigolo, mais ce serait probablement qu'un stream, voilà, je présente un peu le jeu, et puis... Parce que c'est comme, franchement, Dragon Ball Heroes, si celui qui est sorti sur Switch récemment, il est exactement pareil que celui qui est sorti sur 3DS et compagnie, c'est vraiment un jeu sympa, Qui mériterait d'être un peu plus connu parce que en plus je crois qu'il est même traduit en français. Donc du coup c'est cool. Après, il y a une phrase importante que Demix dit quand un combat sera dans Kingdom Hearts. Si nous avons un cœur, nous les simili, chose qui sera révélée comme vrai dans. Pourquoi on peut lui parler à lui? D'accord. Bonjour, vous voulez pas me donner des ingrédients? Et oui, il ne le savait pas Demix, mais depuis tout ce temps, il avait un cœur. Oh, on a gagné du beurre, génial. On pourra faire des gâteaux. Là, j'ai envie de sabler, justement, en plus. De quoi tu parles? Rien. Moi, j'ai envie de trucs une fois que j'ai fait les courses, d'ailleurs. Comme ça, je peux pas les avoir, donc je suis au top, moi, toujours. Demix qui avait spoilé Dream World Distance. Il est pas sympa, Demix, finalement. C'est un gros spoiler. Sélectionner cuisine. Oh, j'ai toujours pas de protection, on voulait pas m'en donner. Hein. In Before Demix, c'est le Master of Masters.
Vous n'avez rien compris, Master of Master, c'est bien sûr Kyrie, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez que c'est Demi, que c'est Kyrie, c'est tout. Moi j'ai des preuves. Moi j'ai des preuves. I'm sorry I left without saying goodbye. J'ai des preuves. Je tiens à vous dire, est-ce qu'on a déjà vu Kyrie et Master of Master dans la même salle? Je vous laisse méditer là-dessus. C'est pas Kyrie. Et pourtant. Mais non, c'est plutôt. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça se tient, ça se tient. Je pense que c'est soit Kyrie, soit plutôt. Mais. La grand-mère de Kyrie.